Salut à tous, ici Mr Freeze pour une vidéo spéciale Mad Link, donc une petite vidéo hein, assez courte. Donc voilà, à partir en Mad Link, à partir du moment où on a fini le donjon 3, il y a un truc qui ne se passait pas. Voilà, qui ne se passait pas en mode normal, hein, donc que en Mad Link. Voilà, donc c'est un peu comme dans Seasons, à part que dans Seasons c'était après le donjon 2 que ça se passait. Ici c'est après le donjon 3. Alors, par contre, je sais pas si on est obligé, parce que dans Seasons on était obligé vu que c'était sur notre route alors que là non. Enfin bon, autant le faire hein, de toute façon. Donc une fois de plus, Zelda a été enlevé. Hein. Et là vous allez voir, c'est un énorme, gigantesque clin d'œil. Voilà, Vire donc. Voilà, Vire, oui, le mini-boss du 6ème donjon. Et là, vous allez voir le clin d'œil. C'est assez marrant. Hein. Voilà, vous devriez reconnaître un jeu là, vous allez voir. Voilà. C'est Mario versus Donkey Kong. Donc, qui est le tout premier. Oh putain. Le tout premier jeu où Donkey Kong apparaît, donc vous le connaissez sans doute. Oh bordel de merde, ça fait mal. Bon, encore heureux qu'on ne doit pas combattre Vire juste après, hein, parce que sinon je serai dans la merde. Epac, donc vous connaissez en fait, c'est, je crois que c'est dans Mario vs Donkey Kong, c'est Peach qui est capturé, il y a Donkey Kong en haut, voilà, Mario doit sauter par-dessus des ennemis, etc. pour l'atteindre. Et là c'est un peu pareil. Et on obtient un anneau. Inquiétés et eux, putain, ils ont fait une faute, je crois. Alors. Ouais, c'est ça. Un porte-main de guerre, j'ai quand même. Là, il nous donne une petite indication sur la suite de notre quête, hein, 4ème donjon. Et on va ensuite faire évaluer cet anneau que nous a donné la princesse Zelda. Alors, je ne crois pas que c'est le même que celui. Je sais même plus lequel elle nous avait donné en season. Enfin, regardez la vidéo, c'était la je sais pas combien de bis. Mais c'est pas le même anneau, je crois pas. Ah, si, peut-être. C'est peut-être le même anneau, non. Je sais plus. Non, je crois pas. Je crois que c'était. Ah non, je crois que c'était le double rubis dans l'autre. Enfin bref, voilà, c'était juste une petite courte. Enfin, une petite courte, oui, pléonasme. Une courte vidéo pour vous montrer une petite différence de modeling. Donc vous voyez, je travaille le modeling, hein, ne vous inquiétez pas. Même si je fais Golden Sun 2, je continue Zelda. Donc j'ai recommencé les deux jeux en modeling. Et on se retrouvera les prochaines vidéos, là, vu que je vais montrer toutes les différences modeling. Enfin, à peu près, hein, parce que sinon il y a des différences de dialogue, etc. Mais bon, pas très important, je vais pas faire de vidéo juste pour ça. Et donc, les prochaines vidéos, ça sera normalement, ça sera le vrai boss. Et ensuite, je ferai les grottes du héros. Voilà. Donc, à la prochaine, bonne journée, soirée, etc. Et mangez bien.